Salut à tous, c'est Yeno de la team RedZoku. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo tutoriel drift, comment drifter sur Gran Turismo 5. Alors on commence tout de suite par le choix de la voiture. Donc moi j'ai choisi une Nissan Silvia S15 et du circuit qui est le Edger Northbound en mode normal. Alors je vais essayer en moins de 10 minutes de vous apprendre à drifter, de vous donner les techniques, les réglages. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par les aides. Alors au niveau des aides, c'est très simple, il faut tout enlever pour la simple et bonne raison que si vous gardez vos aides, vous n'arriverez pas à déraper. Voilà, alors moi ce que je garde, c'est la trajectoire de course et l'ABS réglé sur 1. Allez, je suis sympa, je vous enlève le temps de chargement et on passe directement au réglage. Alors, les réglages. Moi, ma petite Nissan Silvia, je l'ai préparée, je crois qu'elle fait 450 chevaux de mémoire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai downgradé, c'est-à-dire que j'ai enlevé des chevaux pour atteindre 370 chevaux, pour la simple et bonne raison que je n'aime pas quand il y a trop de chevaux, je n'arrive pas à contrôler mes voitures pour le drift. Alors, on enchaîne avec directement la boîte de vitesse, donc ça va dépendre de votre voiture, du ratio poids-puissance de votre voiture. Il faut que le couple soit disponible au bon moment. Donc là, vraiment, ça va être à vous de la régler. Mais il ne faut pas oublier de la régler, hein. Je vous fais confiance. On enchaîne tout de suite avec le vif du sujet, donc la suspension. Donc, il faut rabaisser donc la voiture, durcir les suspensions, pour la simple et bonne raison qu'une voiture, on va dire, avec des suspensions beaucoup plus dures, va être beaucoup plus simple à contrôler et va éviter cet effet de tangage gauche-droite qui peut vous faire perdre le contrôle de votre véhicule. Je mets aussi un angle de carrossage de 5 et un angle de pincement négatif. Là, ça va me permettre d'avoir une voiture beaucoup plus contrôlable, entre guillemets, lors des drifts. Après, on enchaîne avec le freinage. Le freinage en 8 et 10, je fais ça quasiment sur toutes les voitures, pour avoir un freinage beaucoup plus appuyé et beaucoup plus puissant à l'arrière, ce qui permet de faire chavirer l'arrière de la voiture et donc de commencer un drift. Et pour terminer, on a les pneus, donc les pneus confort. Donc moi, je choisis les durs, qu'on appelle aussi les pneus N1 dans Gran Turismo. Vous pouvez mettre aussi les pneus N2, donc en moyen. Voilà. On va maintenant parler des points drift. Donc les points drift, qu'est-ce que c'est? C'est votre score de drift en mode arcade. Donc pour en avoir un maximum et être respecté par la communauté Gran Turismo 5, il faut suivre les choses suivantes. La trajectoire. Il faut avoir les pneus avant de votre véhicule sur la trajectoire de course et les pneus arrière en glisse à l'extérieur de cette trajectoire. Également, la vitesse. Plus vous avez une vitesse élevée, plus vous gagnez de points. Et l'angle. Plus votre voiture a d'angle dans le virage, plus vous gagnez de points également. On enchaîne tout de suite avec la caméra. Donc là, c'est très personnel. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs angles de caméra sur Gran Turismo. Moi, je préfère celui-ci, donc vu au ras du sol, pour tout simplement parce que vous voyez très bien votre trajectoire de course et vous pouvez ainsi mieux la respecter et donc gagner plus de points. Pour la suite, je vous demandais de faire très attention et de très bien observer la jauge d'accélération qui se trouve ici et la jauge de freinage qui se trouve de l'autre côté, tout simplement pour voir comment on drift et comment où il faut accélérer et où il faut freiner. Donc maintenant on enchaîne. Comment drifter, le vif du sujet. Alors ça va être très simple. Vous accélérez, vous arrivez dans votre virage, pardon, vous freinez fort, vous tournez dans le sens du virage, vous accélérez très fort, ce qui va faire déraper les roues, vous contrebraquez dans l'autre sens. Et là, vous donnez des petits coups d'accélérateur. Allez, de toute façon, on se la refait en mode ralenti parce que je sens que vous m'avez déjà lâché. Alors, en mode ralenti, je vous la refais vite fait. Vous arrivez dans votre virage, vous freinez, transfert de masse sur l'avant du véhicule, vous tournez dans le sens de votre virage, vous accélérez, l'arrière se décroche, vous contrebraquez et vous donnez des petits coups d'accélérateur. Voyez là, donc je freine, je tourne. Je donne un coup d'accélérateur sec, vous voyez la jauge d'accélérateur qui monte. Et puis après là on va contrebraquer en donnant des petits coups d'accélérateur. Regardez bien la jauge d'accélérateur qui fait
que de monter et descendre. Pareil de l'autre côté, un grand coup d'accélérateur, puis après des petits coups. Voilà, il faut essayer de toujours respecter au mieux la trajectoire de course. Bon, là, je le fais pas vraiment. Alors maintenant, on va voir ce qui peut se passer si vous n'accélérez pas assez fort lors de votre virage. Donc voilà, donc vous arrivez dans votre virage, vous freinez, mais vous avez peur de trop accélérer et d'abîmer la voiture. Donc vous accélérez pas assez fort. Ce qui se passe, vous ne driftez pas. L'arrière de la voiture ne se décroche pas et donc vous gagnez pas de points. Par exemple là voilà, 269 points, un petit drapeau et vous avez même les huées du public. Mais dans le sens inverse, si vous accélérez trop fort, voilà ce qui peut se passer. Vous arrivez dans votre virage, vous freinez, vous accélérez à fond mais vous avez un peu le pied lourd. Et ce qui se passe, c'est le tête à queue. Voilà, donc surtout ne pas oublier qu'une fois avoir accéléré très très fort, vous devez jauger votre accélérateur, surtout ne pas avoir un pied trop lourd, sinon voilà, c'est le tête à queue. Maintenant, je vais vous présenter la petite technique du frein à main. Vous freinez, coup de frein à main dans le sens du virage, et vous accélérez progressivement et en donnant des petits à-coups. Voilà, donc ça, c'est une technique qui vous permet de gagner beaucoup plus d'angle à l'entrée de votre virage et d'enchaîner comme ici les virages droite et gauche. Et pour terminer, donc voici un exemple de tour de drift entre guillemets complet que je vais donc vous commenter. Donc là, on rentre dans la session, dans le secteur en driftant. Un coup de frein à main qui permet de gagner plus d'angle avec donc plus de points à la clé. Donc voilà, on suit toujours bien la trajectoire de course qui nous permet de sortir avec 4000 points dans le premier secteur. Idem dans l'autre, petit coup de frein à main, on fait chasser la voiture et on accélère. Regardez surtout bien la jauge d'accélérateur. Vous voyez les petits à-coups que je donne pour éviter que la voiture ne fasse de tête à queue et dans le sens inverse, éviter qu'elle raccroche la route et que vous arrêtez de drifter. Donc là, on enchaîne avec le grand virage en montée. Pareil, petit coup de frein à main. Donc là par contre je vais passer la troisième, donc là je peux bourriner à fond, là j'ai le pied lourd, j'accélère à fond. En temps normal peut-être avec un autre véhicule, je serais resté en seconde et j'aurais donc donné mes petits à-coups d'accélérateur. Maintenant là hop, donc celui-ci je me souviens l'avoir un petit peu foiré, voilà. Là j'ai pas accéléré assez fort et assez longtemps, donc la voiture a raccroché. Donc là, évidemment moins de points à la clé. Hop, ici, on rentre toujours en driftant, on enchaîne le gauche et le droite. Voilà. Et c'est terminé, avec un score, je crois, de 17 000 points à peu près. Voilà. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Il y a beaucoup d'informations données d'un seul coup, je sais. Mais disons que voilà, j'essaie d'en donner un maximum en peu de temps. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo et à bien assimiler tous les points pour pouvoir drifter, c'est-à-dire accélérer, freiner, tourner dans le sens du virage, accélérer d'un coup sec, contre-braquer dans le sens opposé au virage et terminer par des petits coups d'accélérateur. Aussi petit point sur les réglages. Ces réglages, je pense, chacun d'entre nous va en faire des différents selon la voiture et le type de drift qu'on produit. Donc, lorsque vous commencez à drifter, prenez, on va dire, comme exemple, les réglages de suspension, par exemple, que j'ai fait. Mais après, essayez de les affiner pour qu'ils vous correspondent un maximum. Ainsi, vous serez beaucoup plus à l'aise et vous pourrez faire beaucoup plus de points lors de vos sessions de drift. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite sur notre site redzoku.over-blog.com et on se donnera sûrement tous rendez-vous sur l'online de Gran Turismo à brûler un peu de gomme. Bon allez, salut à tous et bon run !